Bonjour, je suis Sophie April, bibliothécaire à la médiathèque Mascoutène. Et moi, je suis Audrey Lassalle, bibliothécaire scolaire à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Et nous coordonnons le programme Lire et faire lire. Nous avons le plaisir de vous présenter le Vox Pop de l'école Larocque avec les élèves de maternelle de la classe de Carole et leurs bénévoles. Est-ce que ça vous intéresse plus d'aller fouiller pour voir s'il y a des choses intéressantes? Oui. Y a-tu un livre où tu dis « Oh, ça, là, j'ai aimé ça parce que ça parlait de... » Oui. De quoi? La bobo. Oh, le petit garçon qui s'était cassé un bras. Et puis toi? Les pompiers. Toi, c'était les pompiers. Toi, t'as aimé ça. Puis toi, t'as aimé... Moi, les pompiers et les dinosaures. Oh, les pompiers et les dinosaures. Les avez-vous aimés? Oui. Oui, hein? Moi, j'aime venir lire des histoires aux enfants parce que les enfants, dans l'histoire, ils nous sortent toujours un commentaire qu'on ne s'attend pas et je les trouve toujours drôles. Puis ils sont gentils, ils sont fins, on voit qu'ils aiment ça. Puis ils parlent de leur expérience des fois. Ils parlent du livre pour parler de leur expérience. Puis je trouve ça bien enrichissant. Vous rappelez-vous une histoire qu'on a lue ensemble? Ouais. Laquelle? L'aventure. L'inventeur? Oui. Ah oui? Et qu'est-ce qu'inventait l'inventeur? Toutes sortes de machines. Oui? Est-ce que tu te souviens d'une en particulier? Oui. Quoi donc? C'était une machine qui faisait tout. Qui faisait tout? Ah oui? Moi aussi, tu le vois, je pense que c'était là cette fois-là, la semaine qu'on l'a vu, ce livre-là. Puis, lequel tu m'as dit qu'il fallait? Oui, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il a mangé. Il a mangé, il a en fait tout l'air. Moi, j'aime ça venir lire aux enfants parce que ça dure seulement 30 minutes, mais c'est comme si ça durait une heure. On plonge dans un monde avec eux, avec les histoires des personnages, puis c'est comme magique, intense, puis on a l'impression qu'on les aide à développer leur imaginaire puis leur goût pour la lecture. Le chat, lui, c'est à la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Il a porté un cœur à sa sœur et il a écrit toutes les cartes pour les autres. Puis oui, lui, c'est puis ça. Puis lui avait des grands souliers. Des grands rennes-choux rouges, c'est ça. L'histoire de Mathie qui avait fait un gros cauchemar. Oui, Mathie, un gros cauchemar, c'était qu'il y avait plein de loups partout. Ben oui. Puis qu'il courait après lui. Ben oui, puis il y avait... À toutes les pages qu'on trouvait, là, il y en avait tout le temps un de plus. Des chenilles? Ouais, des chenilles, là, oui. C'était... Oui, t'en rappelles, hein? Il faut aller trouver toutes les petites chenilles. Oui, toutes les petites chenilles, c'était tout échappé, hein, du vocal. Puis là, il était tout étendu partout. Que les enfants sont comme à l'écoute, à l'éveil. Ils sont friands de voir un petit peu l'histoire, comment est-ce qu'elle va se dérouler, puis de voir un peu... Nous, on accroche leur intérêt. Fait que dans le fond, c'est le fun parce qu'après ça, des fois, ils nous disent « Ah, ben oui, telle affaire » ou « Ah oui, j'ai vu ça ». Tu sais, ils essayent d'apporter des commentaires. Alors, l'activité « Lire et faire lire » pour mes élèves, c'était une activité qui était très enrichissante. Ils étaient très contents chaque semaine là, d'apprendre le matin, en fait, que les bénévoles venaient l'après-midi. Pour eux, là, c'était « Oui » à chaque fois. Et puis, quand les bénévoles arrivaient, ils étaient curieux de voir les nouveautés qu'ils apportaient. Il y avait un beau contact chaleureux aussi avec les bénévoles, ce qu'ils appréciaient beaucoup. Fait que oui, c'est une belle activité à reconduire, je pense, dans les prochaines années. Nous tenons à remercier les bénévoles, les élèves et Mme Carole, enseignante à l'école Larocque, ainsi que la direction de l'école, la commission scolaire et la médiathèque Mascoutène d'avoir fait de cette session de Lire et faire lire un énorme succès.